no matter what. I know that you can stand, for your life is in his hands. Listen. Thank you.
what you're going through. His grace and mercy do it for him. He loves you. I know he does. Tous les matins, non? Que bon, maintenant il faut voir. C'est une histoire où il me raconte que c'est pas une histoire, c'est pas une réaction normale. Mm-hmm. Tous les matins, j'observe. Je regarde. Je observe. Ces petites culottes là, c'est Matelo là. C'est Matelo de l'époque. Je rentre dans la méditation. Tu comprends que tout se passe dans la pensée. Mm-hmm. Tu vois un peu? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu travailles ta pensée? Tu auras travaillé ton corps. C'est ça que j'ai dit aujourd'hui que non, tout est possible. Mm-hmm. Tu dis ça à quelqu'un, il va te dire que non, ce n'est pas. J'ai commencé à travailler la pensée, non. J'ai vécu cette période pendant pratiquement 3 mois. Mm-hmm. Mais ça demandait un travail, oh mon Dieu, mm-hmm, intense. Tu ne dois pas. Et tu vois, il avait cultivé ça parce que les histoires de bise, tu te souviens, non? Oui, oui, il refusait ça. Il avait frustré une de mes tantes là, la femme de tout. La femme de tout dit qu'il est allé là-bas, il est venu, il a dit, tu vas aller regarder. Il est soit des bises dans mon compte, il ne faisait pas ça. L'histoire d'embrassade, tu vois. C'était bonjour, bonsoir. Il y avait toute une barrière. Ah, non, c'est pour ça que quand il a commencé à causer, moi la nuit, tu lui as dit, Tchabda, tu aimes la fessie. Il ne répond pas, tu dis, Tchabda, laisse-moi t'entendre, tu aimes la fessie. Là, là, non, j'étais le tout premier. Ouais. Et ça, c'est dormi. C'est toi qui avais su ça. Il parle encore la même fille. Et non, tu sais quoi? Tu sais que c'est lui qui nous avait enseigné. Ouais, il y a des choses. Il nous avait enseigné. Il dit que. Il nous avait appris que pour éviter même l'impudicité et tout ça, mm-hmm, tu ne dois pas discuter avec. Tant que vous discutez. Ça crée un rapprochement. Oui. Et si vous sortez de la parole, mm-hmm, tu vois un peu, que vous voulez, que le voulez ou pas, il y aura une certaine attraction. Je me rends compte que. Lui-même, les dents. Il est allé, il est le frère des dents. Il parle de la parole, c'est vrai, il parle beaucoup de la parole. C'est la parole. Mais après, il est en attente, il y a des huiles. Il a fait. Et il y a une chose. Il y a une chose qui m'appelle. C'est que Junior, même s'il parle avec toi, mm-hmm, tu vois un peu, après. Comme il y avait beaucoup de consultations, un peu mm-hmm, comme ce qu'il faisait avec le frère, comme il y avait beaucoup de consultations, mm-hmm, il ne pouvait pas mettre, il discutait avec quelqu'un pendant longtemps, ouais, au téléphone. Mm-hmm. Je vois, il y a quelqu'un appelle, tu vois le double appel. Je sais que non. Il t'a dit que toi, lis le psaume 119, il continue à moi. Et que, voilà, bro, non, tu es la fille. Tu es la fille là. Il dit que non, Christian, que non, mon frère, quel problème, c'est parce que. J'ai constamment les problèmes. Quelle personne a les problèmes? Telle autre personne a les problèmes. Donc, elle là. C'est quoi ton problème? Ça ne finit pas. Disons, mon frère, laisse l'affaire là. Laisse l'affaire là. Non. Non, tu avais très vite lu ça. Les autres n'ont même pas su. Même Tata Irène n'a pas. Elle n'a pas vite compris. Elle n'a pas vite compris. Non, c'est qu'elle. C'est toi, tu restes avec lui. Il reste avec lui. C'est pas comme si. On était matin. On n'était pas matin, midi, soir ensemble. On était matin, midi, soir ensemble. Donc, et quand on partait manger et baigner ensemble. Ce qui fait que il fallait être aveugle pour que ça passe inaperçu. Ou bien tu on joue comme ça, on passe jouer au ballon. Hein. Et non, t'es fou. Tu sais que c'est non, c'est même pas bon. On jouait, on est en train de jeûner pour mon deuxième jour de jeûne. Tu peux aussi jouer. C'est pas les jeunes qu'on casse à 18 heures. Les jeunes continuent à 3 jours. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas de nourriture. On ne sait même pas si on va chop. On ne sait même pas si on va marier. On va jouer au foot. On coule la sueur. On coule la sueur. Dès que tu dis fin de préparer, dès que tu dis c'est moi. Tu dis que. Non, c'était le deuxième jour. Oui. Après, tu rentres comme ça là. Et tu dois continuer demain. Tu continues le lendemain. En fait, même pour ta bonne santé, ce n'est pas normal. Un peu comme quelqu'un qui vient de donner le sang. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mmh. Tu vas donner le sang. On faisait ça. Tu donnes le sang. Tu vas faire l'activité physique. Tu vas jouer encore. Mmh. Tu peux tomber là, tu fais malaise. Dieu vous a gardé. Non, Dieu nous a aidé. Tu vois, que Dieu nous a aidé là. C'est Tchab Lalok. Il m'énerve sur les sangs. On fait 3 jours de jeûne. Le troisième jour, quelqu'un lui apporte la nourriture. Ou non, on fait la nourriture à la maison, non. Mmh. J'apporte.
quelqu'un de sa part. Tu t'assois. Donc tu veux pas que quelqu'un te voit. Mm-hmm. Tu fermes tes oreilles à tout. Parce que c'est quand tu te vas dire que non, il faut pas. Tu t'assois. Tu es dans la chambre là. Donc tu as... Lui, il dit qu'il va manger dehors. Quand il s'assoit dehors là, quelqu'un vient. Oh, Junior, c'est comment? Il donne une fois la cuillère. Il dit que tu as dit tu es bon, hein? Il mange. Après, il mange. Mm-hmm. Le gars mange tout. Tu restes, tu dis non. C'est là où tu dis que non, je ne sais pas sérieux. Tu ne peux pas faire comme ça. Là, tu es sérieux, ce n'est pas les deux. Oui, non, t'es pas... Que non, on s'est battu pour avoir deux plats. C'est pas quelque chose de. On s'est battu pour avoir deux plats. Comment tu peux. Il... Après, tu dis à l'autre, il a jeûné depuis toi. Il... Le gars, il ne te gêne même pas. Non. Il mange ce même. Ah, non, 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 non. Non, mais c'était bien. Chapter. Ouf. Ah, c'était là, c'était bien. J'ai même vu grandir l'autre jour à Carrefour. Mm. À quoi? J'étais très content de le voir. Ouais, ouais. On a il fait comme ça là. Il avait. Quand je me souviens, les gens disaient à la cité, il reste comme ça. Mm-hmm. Quelqu'un le. Il regarde quelqu'un. Il dit que je dis non, pourquoi tu me juges? Tu vois? J'avais vu tout que fait ça. Il était rentré sous. Et tout que c'est même dit, et tout que même passé souvent. Il dit que ça c'est sous, non? Mm-hmm. Ça, là, il est conscient que. Lucide. Quelqu'un est lucide, mm-hmm. Mais il sait que. Il vient de quelque part. Mmh, ouais. Il regarde Junior, il regarde ses mentors là. Il dit à Junior encore, oh, ouais, pourquoi tu me juges? Comment tu veux? Oui, j'ai fait, c'était lui, j'ai fait. Comment t'as parlé? Oui, personne. Et comme il avait ce don de prophétie là, il disait, non, j'ai dit, ça va. J'ai fait, ouais. C'est quoi, Junior? Il va changer. Je me bats. J'avais bien essayé, vous étiez à 4 femmes maintenant, vous étiez aussi à 2. Tu vois, il y a une progression dans l'union. Ouais. Non. Il pisse où? Ah, c'est son petit nom là-bas. C'était là. L'autre met sa musique, l'autre aussi met sa musique, l'autre aussi met sa musique, l'autre, évidemment, tu sais même plus ce que tu écoutes. La dernière vidéo, wesh. Ça, c'est. La cité, c'est l'un des meilleurs moments. Non, c'est trop bien. En fait, c'est le moment d'inconscience. Tu trouves le travail. Tu rentres. Tu vois souvent quand Christian rentre, il rentre avec sa mallette, sa chemise bien. Il se voit à genoux quand il dit. Je reste comme ça. Il donne mon cœur, il dit que, mais. Regarde s'il travaille, il est même là. Il vient encore dormir dans la chambre aussi. Il y a une voisine là. Mais c'est ce que les gens disaient, non. De lui, plusieurs. On parlait de ça. Et c'est quand je déménage que je dis. Oh, il était bien. Il était bien. On parle qu'il y avait les forces. Il n'avait pas de problème. Elle savait quel problème. Donc il trouvait qu'il y avait des problèmes. C'était normal. C'est l'autre. Elle s'appelle comment? Glory. Qui vient me raconter. Tu as reconnu Glory. Elle vient me dire que. Tout c'est même ce qu'on te disait de toi là. Que oui, c'est là où elle me raconte ça. Elle me dit. Donc, avant ça. Quand elles allaient dans leur coin là, on dit que le gars là qui vient, il est toujours en costume là et tout. C'est bien. Et les gars en frère, il vit bien dans la chambre. Il vient pas la cuir. Il y a rien là-bas. Il y a même rien. Je dis que tiens, c'est une femme là qui travaille. Mais elle travaille, mais ça se mentionne. Oh non. Il est la frère. Il vient du moins, il arrive. Enfin, le vidéo là dit que c'est sûr que le gars s'est acharné la fille là. Il est là comme ça, il ne travaille pas. Il est comme ça là. Il a toujours la tête de la fille. Il laisse la fille là tranquille. Et que cette année, il ne pensait même pas quitter. Il était là, il a eu son salaire, il a acheté l'ordinateur à son frère. Il vient donner à son pote. J'ai acheté l'ordinateur. Tu vois l'amour des enfants là, non? Ils sont là comme ça, ils sont. Ouais, personne ne veut vieillir. Personne ne veut. C'est ton premier ordinateur. Hein? Oui. Dis donc. Toi qui l'as acheté la première machine. Dell. Dell. Ouais. Machine. Il aimait saisir. Il va aussi bien saisir après. Il me dit que non, il me faut une machine. Personne n'a la personne ne juge qu'il faut qu'on déménage. On déménage pas où. Personne. Mais vous savez, elle veut quitter le Yahoo. Bienvenue. Elle est dans la chambre. Joe aussi parle de quelqu'un de l'autre. Quelqu'un vient comme ça, parole de la titulaire. Chacun des cas. Elle les a gros, c'est vrai. Au moins, s'il y avait une douche interne, que c'est bon. Il n'y a pas de douche interne. Tu vois, quelqu'un porte comme ça, tu vois la seconde, c'est là. Tu vois, vraiment. En attendant, quelqu'un fait son accord, vous allez devoir aller derrière le nappe. Ce qui était bien, c'est que. Elle sort de la maison, il y a la douche interne. Chaos sort, tout ça. Elle sort de la maison, elle dit. Moi, ça vous dit.
2022 ans, vous venez chez nous là. Ok, tu es au point d'aller où tu te laves. Bonjour, merci. Ils m'ont demandé de m'expliquer la cité parce que j'étais bon. Bonjour. La cité était trop bien. Parce qu'en fait, la cité qui est approchée. Il a dit la dernière raconter mes choses de la cité. Reste de moi. Quand tu me voyais à la cité, comme ça, on passait dans tous les papas. Mais c'était avec lui. Non, c'était bien. Dans les bonnes comme dans les voitures. Oui. Non, c'était les bonnes. Il avait un hall avec une petite chaîne avec la croix. Il sort le matin, on ne sait pas, mais il parle à l'église catholique. Je suis mal calme. Il est calme. Tu rentres là. Tu rentres de l'église à toi, regarde, ils t'ont fini de raconter. Toi, tu rentres là. Tu viens raconter à Tchabda. Oh non. L'homélie, tu sais, ils ont les mots là-bas. Non. Ouais. L'homélie était comme ça. On a dit ça. Il est calme. Deuxième fois, je lui reviens, je lui dis. Après, tu as dit, Jean, ils ont quand même dit des choses là qui n'étaient pas. Ah oui, du coup, non, prenons la Bible. Comme ça, c'est. Tu t'assois. Tu dis, c'est bizarre. Tu dis, pourquoi il dit ça? Il me dit, t'es dans la Bible. Tu vois, voilà. Mais il ne demande pas. C'est ça, il dit, plus tard, plus j'aurais devenu. Il ne te demande jamais d'écouter. Il ne m'a même pas demandé. Je continue moi dans mon église catholique tranquillement. Hey. Mais après, tu dis, il y a toujours ces contradictions. Après, je viens, je me dis, bon, on fait donc. Comment? Gars, c'est l'église, voilà l'église, mais l'église dit des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. La question que tu as entendue depuis. Oui, sortez du milieu de mon frère. Il faut pas que plus tard il va dire que c'est moi qui l'ai chassé. Chassé. Hey. Et comme le pâté était un fervent catholique, tu t'imagines un peu. Tu sais comment il avait ces mots-là, il y avait un madame là-bas. Parce que les madames, ils faisaient la prière à chaque fois, on se disait que c'est la CVC, les gens. Il comprend que c'est la CVC. J'ai parlé à son fils, on parlait comme ça. Je ne suis pas encore là-bas, c'était mon problème. Après le soir, encore papa, après le madame que Dieu prie, il dit que ce qu'il a parlé en bas, c'est un papa qui dit que tu ne finis pas sur Jesse. Il a compris que c'est moi qui l'ai compris. Ouais. La dernière fois que la manne était ici. Il était me présenter sa famille. Il dit, quand il était en train de raconter, puis c'est lui qui parlait du passé. Il dit comment son père, lui il était arrivé une fois chez lui, son père lui a dit que mon fils ne vient plus jamais ici, tu as compris. Que c'est la dernière fois que tu me dis ici. Il était calme comme ça. Il commence à inverser le livre, il finit. Il commence à inverser le livre, il finit. Il pose la question, oui, il finit. Après, il a arrêté de la séquence comme ça. Il dit, mon fils, tu veux que. Il est maîtrisé en physique. Il dit, tu travailles, non. Il est même ici, tu comprends. Tu vois un père, lui, il est un Dieu pour sa vie, pour ses enfants. Il récite les versets, tu viens corriger ça. Ancien de l'Église, c'est moi, président de tous les anciens. Président de tous les anciens. C'est pas ça, papa, ce que tu veux dire, c'est pas ça. Papa, tu m'as. Après, il prend la Bible, voir que c'est ça. Il dit, pas de. Parce qu'il prêchait sans la Bible. Allez, ça va bien. Regarde, même s'il n'a pas mangé, il mange, il ne mange pas. Il est là. Qui là? Il dit que qu'il a mangé ou qu'il n'a pas mangé, il est là. Hey. Et il ne dit, il faisait même pas les commentaires à l'époque. Vous tapez les commentaires, il ne pose pas. Hein. Il est là comme ça, après il dit voilà la Bible, après tu entends seulement Mathieu, tu as quoi chez toi? Comme Mathieu, on a commencé. Et il dit que zéro commentaire, nous on est là, on fait nos divers, quand on était là-bas, tu en as mangé le porc de la femme, la mère. Voilà. Eh, dis non, regarde ça. Tout donc, le chute, si tu n'étais pas, c'était la formation militaire, pas les histoires qu'on raconte. Ouais, c'est vrai. Je me souviens, à l'époque, quand il me dit mon nez sortait de moi, maman, c'était. Tu avais lui. Mais. On est ensemble, on arrive à la boutique là, on va acheter quelque chose. Tu es un petit pays, tu vois, moi, ils savent faire comme ça. Après, ils te parlent pas. Oui, tu vois, là. Tu es au niveau 1 mondial, c'est quoi. Moi, tu as tout ce matin, on est très gâte. Et doucement, tu sors, tu rentres. Il t'a rien dit. Rien. Fais ça, s'il te plaît. Mais c'est marrant, tu vois, tu retrouves le droit. Mais tu dis, c'était pas le peur de 100 francs avec la vie. Non, il fallait cette formation. Moi, si tu sais, tu n'es pas à côté. Par exemple, tu prêchais le monde,
C'est qu'il avait envoyé une double vie pas possible. Parce que c'était pas évident pour vous. On marchait une journée comme ça, on se fait comme ça. Un an comme ça, joue pour lui, on a marché comme ça là. Non, mais Christian, ne t'a gardé. Ouais. Parce que les femmes t'aimaient trop. Mais tu vois les filles qui regardent pour rien comme ça là. Ils t'observent seulement comme ça. Même si on parle de il était vraiment brutalement. Non, c'est brutalement. Oui, c'est tout le petit pays que tu as entendu à son moment. Ça doit sortir. Non, il ne te demande pas que ça sorte. Il prêche sur les monstres, les musiques mondaines. Les musiques mondaines sont plutôt que l'enfant de Dieu ne doit pas écouter les musiques mondaines. Il vous le démontre par A plus B. Sauf que il y a ça dans toi. C'est là où tu comprends que c'est ancré dans le subconscient. Ouais, c'est vrai. Donc, tu te retrouves là comme ça, là, tu es en train de. Tu vois, restitution organisée de la connaissance. Non, mais il fallait former. Moi, ça me fait aller de bouger. Tu es en train de. Tu es en train de. Non. Dieu m'a formé le temps à 5 que si tu mets un baffle, c'est 500 décibels. Tu fais boum 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 boum, ça n'a pas d'effet. C'est comme s'il y a quelque chose qui est conçu autour de moi. Ça n'a pas d'effet sur moi. Tu es assis là. Mm-hmm. Ça ne fait pas sur moi. Oh, tu peux écouter une musique, ça reste dans ton cœur. Tu sais, même si tu sens le jour, tu entends le bruit, tu passes en moi. Mais donc, comme maintenant, c'est que moi je dis, tu me demandes qu'est-ce qu'il y a l'amour, qu'est-ce qu'il y a la vaux. Tu dis, je ne connais pas. Voilà. Tu vois un peu. Mm-hmm. C'est l'autre jour, peut-être sur Facebook, cette année dernière, je vois tout le monde qui est au champ. Oh chapeau, oh, donc c'était ça qui était. Chapeau. C'est un gars là, c'est tu vois tout le monde. Et comme il y avait un notable Bam là, qui était exclamé comme ça quand on avait brûlé sa maison avec ses voitures, il dit que oh chapeau. Tu vois, c'est là où j'ai même entendu dire qu'il y a le la musique qui va avec ça. Qui va. Mais je vais dire que qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui? Qu'est-ce qui est. Tu es coupé. Les gars vont chanter là. Mmh. Ça va plaire. Alors. Bon, maintenant, tu vois, maintenant, comme je t'avais vous, c'était la façon qu'il fallait travailler avec vous là, non? Non, c'est ça. Il fallait. Non, c'est la formation. Il fallait la formation militaire. J'ai dit même que c'est. Aujourd'hui, il y a même un peu de relâchement, si on peut. Si on peut dire ça comme ça, oui. Non, les gens, quand ils viennent, maintenant, ils m'avaient fait comme ça. Ils ne connaissent pas. Non, ça a changé. Ils ne riaient pas. Avec les femmes. Si tu avais les femmes, ils disent que. C'était grave. Tu m'avais les femmes. Tu restais comme ça, du moins ici. Il n'y a pas bonjour, c'est dans la blonde. Mais elle a tapé Nicole. Junior. Et comme Nicole, elle aime toujours parler comme ça. Là, non. Attends, laisse raconter un peu l'autre. Junior faisait le jeu de la parole. Donc, deux jours, Junior ne parle pas. Il ne dit pas bonjour, il ne dit pas bonsoir. Et maintenant, comme les voisins ne connaissaient pas ça, les gars avaient des problèmes. Et il ne prévient pas. Hein. Tu te lèves le matin. Quelqu'un se lève le matin. Quelqu'un qui t'a dit bonsoir, bonne nuit, tu te lèves le matin, tu dis bonjour. Junior, c'est comment? Il ne répond pas. Tu te regardes comme ça. On a un problème, il ne répond pas. Junior, je dis, c'est quoi? Il ne répond pas. Deux jours, je dis la parole. Elle m'a dit que. Deux jours, je dis la parole, donc il ne parle pas pendant deux jours. Tu t'imagines quelqu'un avec qui. Voilà, il est mal éduqué. Vous êtes séparés hier soir, tu as dit bonne nuit. Le matin, il se lève. Il te dit bonjour, il ne répond pas. Il te dit bon, tu sais quand tu dis bonjour à quelqu'un. Et il te regarde. Hein? Non, il ne te regardait pas. Parce que c'est ça, Kiki. Bon, peut-être qu'il te regarde. Parfois, il te regardait quand il n'avait pas sa Bible. S'il a sa Bible, il ne te regarde même pas. Il te dit comme ça. Là. Il dit hein? Bon, Junior, je te dis bonjour. Et... Il ne regarde pas. Ou il te regarde. Il est là calme comme ça. Là. Après, tu pars. Et demain. Je te dis, quand tu vas finir de monter sur ton cocotier, on est ici là. Et c'est encore un jour de me dire bonjour dans cette idée. Et c'est encore. Oh mince. Ah non. Ça c'était. Mais moi j'ai jamais fait ça, mon frère. J'ai mis la parole. Tu restes comme ça, deux ans sans parler. Mon frère, avec les voisins. Avec les voisins. Comment? Pas que je t'enferme, tu es là. Tu es là. Comme ça, là. Les gars s'accusent à toi. Mmh. Ils te parlent. C'est qui? Elle m'a dit que je lui ai dit bonjour ce matin, il n'a pas oui, c'était chez toi quand même. Elle dit qu'à 18h, il me dit c'est moi. Il dit c'est moi sans saluer. Je lui dis que tu as fait comment? Elle dit j'ai servi, non? Il a les dégagements. C'est difficile de lui en vouloir. Il a tapé la main de Nicole. Nicole a failli pleurer. Parce que Nicole parlait en mettant la main. Ah oui. Nicole, elle a failli parler en mettant la main. Et il a dit à Nicole, n'arrête de me toucher.
Ne me touche plus. Il dit tu vois non. Exactement, tu vois non. Quand mon frère, donc, quand on a donc prié, elle racontait, quand on a prié, il a tapé la main. Bam. Comme elle est brune, elle a compris. J'ai regardé Nicole comme ça, j'avais même pissé. J'ai regardé, je jure, j'avais même pissé. Elle lui a dit que comme on parle dans ma famille, là, moi, mes tantes aiment les bisous. Donc, je te prie vraiment de grâce. Si on te fait bisous, je ne veux pas sauvager là-bas. Merci, mes gérons. Oh non. Quand on est arrivé en France, c'était comme ça la maman. Mais les soeurs, la frère Junior, écoute comme ça, écoute, et le temps qu'il fasse comme ça, écoute comme ça. On a d'abord dit, je il dit non, il faut faire sa grâce. Après, il me dit que, coucou, c'est même quoi comme ça là. Ici, on fait seulement les bisous aux gens. C'est, je lui dis que non, coucou, c'est comme ça, on est en France, on a. Tu arrives à l'aéroport, on t'attend. Frère Junior, on bondit seulement. Tu lui dis que ah, c'est comme ça ici, là, tu vas faire comment? Tu vas seulement t'habituer. Chaque personne devrait fixer les limites. Parce que la parole, c'est basé sur la parole pour fixer les limites. C'est, sauf cette discipline. Ça garde si quand même. On ne discipline pas. C'était grave. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne me coiffe même pas. Ne coupez pas le truc là, tu vois la barbe est bizarre comme ça, c'est la cause de cela. Il ne revient pas avec les gens. Yeah. Tu te rends compte que tu vas rendre quelqu'un comme ça, dit que petit père a fait ceci. Et toi a fait ceci. Ça va me servir à quoi s'il parle de ça. Quelqu'un a réussi sa vie là-bas, il ne sait pas comment il a fait. Oui, il n'était pas là le commandeur. En tout cas, c'est ça là. Même si on est en assemblée, il ne fait pas le commandeur. Il a ce don là que tu l'as vu. Quand quelqu'un, même si tu venais avec Eto, tu parles Eto. Il dit bon, Eto, n'est-ce pas? Quand elle joue comme ça. Après, tu vois. Tu ne sais pas à quel moment tu as fait la transition avec la parole de Dieu. Et on y en a la parole. Donc, il nous enseigne que ce ne sont pas eux qui doivent mener le débat. C'est nous qui devons mener le débat. Tu te rappelles, je crois qu'on était avec Keti. Keti était venu de Yaoundé. On est parti manger à Bonamou, ça dit, c'était à la zone A comme ça là. On était parti manger quelque part, c'était à la braise. Jusqu'à on parlait au chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi a dit, il faut faire attention à la Bible, hein, ça. Que hé hey, le camarade de Cyril là qui construit. Que son grand frère là. Ah oui, elle dit qu'elle a failli nous amener. Il dit qu'elle a dit que mais vous voulez dames entraîner. Que dans. Oh là là. Il s'est appelé à mon esprit. Oh là 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 là. Non. Aïe. Non, c'est pas facile, hein. C'est pas évident quand même. Oui, c'est vraiment un travail. C'est un travail, c'est pas même pas ce qu'on. C'est ça qu'on dit qu'on voit le résultat là, on voit les trucs, on se dit que oui, c'est. Oui. C'est un travail beaucoup de longue haleine. Hein. De longue haleine. Beaucoup d'années, mon frère. Mais c'était bien. Bon, ce monsieur a commencé doucement, sur les yeux comme ça là. Comme le blanc. On va se taper quand même. Quand il faut lui garder le cœur. Il te dit oui. Il te dit oui. Deux là, trois. Oui. De la haute 3. Il faut lui garder le. Il faut acheter le cœur. Que on ne peut pas partir là-bas comme ça. La délivrance, c'est une fois de prière. C'est beau tout ça. Non, c'est trop beau. C'est la meilleure vie. Il faut pas qu'on se. C'est pour ça que quand j'aime quand les gens comme ça, quand ils entendent les gens qui me connaissent dès le départ. Parce qu'ils voient seulement le souffle, ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est un travail. Ça, c'est. Et tu sais que quand on est même peut-être en salle comme ça, là, peut-être avant qu'il n'arrive, nous on est peut-être entre nous là, peut-être quelqu'un a été prêché. Quand il entre, l'atmosphère change. Tu ne comprends pas, tu ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu constates que l'atmosphère change. Tu deviens un peu sérieux quoi. Tu te ranges. Et il entre comme ça, il dit rien. J'étais le plus proche de lui à l'époque. Mais quand on parlait de la parole de Dieu, tu vois, en fait, tu comprends que c'est quelqu'un de différent qui est en face de toi. Que maintenant, il faut que range-toi. Ce n'est pas l'histoire. On va finir là. On va parler de Ben. Parce que contrairement à ce que c'est, il blague, on riait. Il y avait des gens avec qui il ne riait pas. Et c'est vrai. Carré. Oui, il y avait des gens avec qui il ne riait pas. Il était fou. Carré. Fermé. Il était fermé. Oui. Maintenant, il y a des gens avec qui il ne riait pas. Aujourd'hui, il rit. Comme tu vois, tu sens bien pas la scène. Mais tu ne vois rien, pas d'accès. Tu voilà. Ne sais pas comment tu vas aborder le gars. Exactement. Il était fermé. Fermé. Voilà. Donc, tu sais que non, ici, ils sont les blagues. Il n'y a plus les histoires de Ben, c'est monté. Le rire est descendu. C'est la parole de Dieu.
tu ouais. poses des questions comme tout le monde, tu fais comme là, tout le monde. La réponse, ça sort comme ça là. Tu restes comme ça, yes papi. Vous avez une question, tu poses des questions comme tout le monde, tu réponds comme tout le monde, tu fais comme tout le monde. Il ne dit pas ça, hein. Comme tu sais que donc. C'est que c'est comme ça. Ouais. Il était tout petit là. Regarde, fais Junior. C'est 10 ans. Hein. Ouais. C'est pas comme si c'était aujourd'hui. 11 ans. Ouais. Fais moins 11 ans. Il était tout petit là. Il y avait des papas, des mamans, tu vois, des mariés, des pas encore mariés. Quelqu'un dit, ça lui posait un problème. Il dit, ouais, regarde, ça me dit que. Et il y a la résolution. Le salon va se poser. Et il est mon frère. On pose comme ça. Il dit, que le petit, c'est pas comme ça. Mais Junior. Un peu comme. Je vais dire ça comment là. Un peu comme la situation de tout à l'heure là. Tu vois, on arrive là. Quand tu poses un problème, je dis, toi tu n'es même pas marié. Je dis, qu'est-ce que la priorité pour les marié? Parce que c'est vrai, tu as quand même raison. Maintenant, voilà la situation. On fait comment? Tu vas faire comment? C'est là, on est là au bord du gouffre. On va. La situation est au bord du gouffre. Tu t'attends. C'est là où tu vois. Il te met ça. Et c'est bien rangé. Tellement bizarre. Avec la parole. Ouais. On quitte la genèse. On va là. On va comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses quand tu es resté? Ça va, tu vois, après, on reste comme ça là. Que non, ça petit. Va. Tu as de l'avenir. Tu as de l'avenir. Que non, c'est bon. C'est ça. C'est ce qu'il fallait. Ah non. Vous savez que ça disait que non, je dis. Dieu t'a donné une sagesse là que au niveau de la résolution, j'ai compris. Parce que quand on pose un problème, tu te dis qu'on est fini ici là. C'était un peu de cette domaine. Moi j'ai eu ça à Yaoundé, je suis resté comme que ça. Que des problèmes. Chacun parce que le monsieur là disait que c'est pas vrai. Le monsieur là disait que c'est que ce qu'il dit là n'est pas. Mon mari dit seulement que je veux voir ta femme. Il dit voici ma femme ici. Moi même je suis encore bien assise, je dis que ha Koro, voilà ça qui commence déjà. Mon mari dit que le Saint-Esprit demande ton épouse. Il dit voici mon épouse ici. Il était venu avec une femme. Il a tellement insisté, le monsieur aussi a insisté, Gangan, que voici son épouse ici. Au point où. C'est quand la femme l'a dit que, mais appelle les Vindi. C'est là que monsieur a encore bien assis pour dire que voilà. C'était là comme ça. C'était la femme du monsieur. Il avait deux femmes. Oui. Donc il part aujourd'hui, il est là-bas, après il est de l'autre côté. Mais le jour là, quand il a posé la question, le monsieur a dit non, il a une femme. Il dit qu'il ne sait pas de quoi il parle. Mon mari était, il dit que le Saint-Esprit me dit, il faut que tu appelles. Si tu n'appelles pas ta femme, on ne peut pas continuer. Il dit que non, parce que sa femme ici, elle est militaire, elle est policière, parce que ma femme. On était en Kaba. Une vision est venue, il a vu la femme là faire le fusil comme ça là. Il dit que je veux voir ta femme. Non, il te voit, tu as plus le pistolet, tu veux tirer dessus. Il dit oui, je suis un policier. Il dit ce sont ces problèmes, c'est qu'on va résoudre maintenant. Tu t'as venu, les mots étaient au point, un jour tu voulais te faire du mal avec le fusil. Il dit oui, c'est vrai. Et puis que tu en train de parler maintenant, il y a quelque chose qui est passé derrière ton corps et tu as laissé le laisser. Elle dit oui, c'est vrai. Mm-hmm. Quelque chose est passé sur moi comme ça. Là. Il se sent bien de résoudre. Mais il faut que sa femme voit ici. Le gars dit que. Là, ils vont se casser. Non, il dit à Idiom. Il dit que, gars, est-ce qu'on peut causer dehors? Allons dehors. Gars, est-ce qu'on peut causer dehors? Il sonne. Il dit, en fait, si elle vient ici, elle. Ça va se garder pour la maison ici. Il dit, le Saint-Esprit qui m'a envoyé ici. Il dit que. A dit qu'il doit être ici. Il dit, moi, je ne venais pas pour vous rencontrer. Moi, je venais me reposer avec ma femme. On m'a parlé de votre cas. J'ai dit, ok, je peux vous écouter. Donc, si vous voulez que je vous aide, il faut qu'elle soit là. Après, on rentre encore au salon. Nous, on est là entre nous, les femmes. Hein. Non, on rentre encore d'accord, au salon. Le monsieur, là, s'il chante, tu peux croire que c'est un ange qui est en train de descendre du ciel comme ça, avec une bellissime voix. Une ancienne de l'année. J'entonne le chant. Le gars chante. On chante. Mais quand il prie pour toi, tu guéris, il couche d'abord avec toi, il dit qu'il faut qu'il voie si tu vas bien. Tout est sorti là-bas le jour là. Hein. Tout est sorti. Même l'autre femme a dit que non, moi j'étais malade. C'est grâce à lui, c'est lui qui a prié pour moi. J'étais très malade, je mourais. Et ils ont été ensemble. Après, il a dit qu'il peut avoir les parents. Voilà comment la relation est allée. Oui. Pendant 3 jours. On se lève le matin, mais ça du matin jusqu'à 18h. Et la femme là arrive. Attends, parlons qu'on est le troisième. Ils sont arrivés. En fait, ils ne sont même pas deux. Ils sont trois. Et donc, parlons, on en a parlé même comme ça. Il y a même une troisième. L'autre dit qu'il la connaît. L'autre dit que moi aussi la connais. Quand elle peut marcher, passe devant sa porte. Il dit que ça fait quoi si vous la connaissez? C'est même ça devient même quoi? Est-ce que je suis en prison? Elle connaissait. Donc là, sa tête, pendant que tu es assis là-bas, tu as dit que même si on a besoin, même si les deux, c'est pas, j'ai ma peine qui reste là-bas. Comme ça, je suis souvent pas. Le troisième, je vais vous dire qu'il y a un troisième.
Donc quand les gens voient les raisons du conflit, ils croient que c'est aujourd'hui que ça a commencé. Ah oui. Il y a des cas, il y a des cas. Ouais, ouais. Non, ça c'est 2008, ça commence à prendre. Mais c'est où tu comprends que si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ou bien, ou alors si Dieu ne t'a pas appelé à faire quelque chose, il faut laisser. Oui, si Dieu ne t'a pas appelé à faire quelque chose, il faut... On continue notre conversation. Tu as le jeune enfant, c'est que ça va prendre la journée. Mais c'est que pose une question, pas que... Ouais. Ferme le bouton là. Et alors? Il dit que le bouton... Ah non, on dit que le bouton... Ça... Ah d'accord. Pose une question si tu veux savoir de pourquoi pose. C'est son épouse qui dit. Ah d'accord. Donc quand tu vois une... tu me vois Ange Raphaël à ce moment-là, ça c'est 2007, 2006, 2007, 2008, 2009. Mm-hmm. Tu voyais, on était toujours ensemble. Quand tu le voyais, juste parce que les gens disaient quoi ton jumeau. Lui. Donc si tu vois les gens qui ont dit comment le frère Junior, il a commencé le ministère, comment il a commencé le ministère là, c'est eux qu'il faut construire. Ça, là c'est le témoin, si vous posez la question. Et toi qu'est-ce que tu te disais en le voyant comme ça, qu'il n'est pas normal ou bien... Non, peut-être il faut même revenir un peu plus bas, des années plus bas. Quand il est dans sa vie mondaine, et moi dans ma vie mondaine, on se connaît. Mm-hmm. Ok. Ça, on se comprend. On se connaît, nous sommes tous des mondains. Je ne vais pas vous faire... Mm-hmm. Il était très fort en physique, mathématiques, donc il donnait des répétitions dans ces matières. Il y avait des filles qui répétaient, avec qui je sortais, donc c'était pas... Mais moi, j'étais à l'université de Yaoundé 2. Mm-hmm. Lui était à Douala. Je m'en vais, l'année qui suit, parce que je venais pendant les différents congés, vacances. C'est-à-dire congés de Noël, congés de Pâques, et les grandes vacances. L'année qui suit, bon, de temps en temps, on m'appelle. On me dit que, est-ce que ton ami Junola est entré dans les sectes? Il est dans les sectes, comment? Bref, ça ne m'intéressait pas trop. Ces histoires de sectes, c'était pas trop mon... Je croyais pas trop à ça. À ça, oui. J'ai dit, moi, je vais moi-même toucher du doigt la chose pour... je reviens donc, Dieu merci, c'était ma quatrième année. Je reviens pour m'installer à la maison. Et... on se recroise, je revois mon junior, mais il était devenu très calme, très posé, effacé, et il s'était même retiré un peu de tout le temps. Ouais. Voilà, donc de l'environnement, tu veux dire quoi là? De la mondanité. De la mondanité, oui. Bon, je reste là un peu, de temps en temps, je lui rendais visite, on se côtoyait. Mais son style de vie donnait envie de le côtoyer. Tu vois, parce que quoi qu'on dise, le chrétien a quelque chose de particulier, surtout son style de vie à lui à l'époque. Comme je disais, il menait une vie de sainteté. Les histoires de bise aux femmes, il ne le faisait pas. Et tout ce qu'il disait, il avait beaucoup de sagesse. Tout ce qu'il disait avait du sens. Je dis que non, ce qu'il disait est vrai. Donc, même si tu es opposé à la Bible, ce qu'il dit est tellement cohérent et vrai qu'on ne peut que prend du temps pour l'écouter. Et chaque soir, dans la cité, il avait ces moments de prédication ou d'évangélisation, voilà, disons ça comme ça. Parce que c'est plus tard qu'il l'a expliqué, non, tu ne peux pas aller prêcher à la Judée et tout sans avoir prêché à Jérusalem. D'abord à la maison. C'est d'abord à la maison. Donc il prêchait aux uns et aux autres. À la cité. Oui. Et sachant que moi, j'étais son ami très proche. Je ne sais pas, c'est vrai que je ne lui ai jamais posé la question. Je ne sais pas pourquoi. Il m'avait jamais prêché directement. Il prêchait beaucoup plus. Mais apprends-toi à ça. Mais. Tu ne demandes pas quand même. Qu'est-ce que tu prêches? Non, tu n'as pas besoin de demander. En fait, c'est la part tout le monde. Moi, mon papa, c'était un fervent catholique. Donc, la parole de Dieu, j'avais déjà des petites briques de la parole de Dieu. Je m'assieds, j'écoutais. Il était tellement pertinent, tellement cohérent. Et il me donne envie de repartir. C'est à ce moment qu'il me donne envie de repartir à l'église. Et comme moi j'étais catholique, j'ai dit, s'il y a une église où je devrais aller, c'est à l'église catholique. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve encore. Je me retrouve encore à l'église catholique. Non, c'est pour dire que il y a eu... ce sont des différentes étapes. Quand tu vois, c'est ça. En fait, quand de tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, dans ce cas-là, c'est pas trop la parole qui a été le principal moteur. La parole n'a été que
L'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'était ça. C'est la vie. Amen. Quand tu vois la vie de l'homme, c'est un peu ce que beaucoup de gens prêchent aujourd'hui. C'est-à-dire que la vie doit être en corrélation parfaite avec, avec la parole de Dieu. Il y avait une... Avant que vous n'arriviez, je parlais, j'ai fait ce témoignage-là. Et chaque matin, quand moi je me levais, là, quelqu'un qui était debout. Il me dit, Chris, c'est quoi ça? Je dis qu'il me dit un peu. Pourquoi fais-tu pas me déranger avec tes fausses questions? C'est une réaction normale. Tu n'as pas vu ça en science? Je dis, tu n'as pas pris ça en science? Il me dit seulement, c'est pas normal. Là, c'est la première fois. Le lendemain. Mais ça, c'était, je vais dire, c'est aujourd'hui, mon pasteur appelle ça les petites vérités, les grandes vérités. Ça, c'est quand tu as compris un certain nombre de choses qui attirent ton attention. Donc, il dit que bon, il a compris. Parce que s'il me dit ça dès le départ, dès le premier jour, j'allais dire que non, ce gars, il n'est pas normal. C'est quand il sait que tu as compris un certain nombre de choses, mais tu as dit que bon, il faut passer à une autre étape avec ce garçon. Il me dit que c'est pas normal. Je dis que tu t'en vraiment. C'est pas. Je sais que tu es correct, mais ça, c'est une réaction tout à fait normale et naturelle. Le lendemain, tu me lèves encore. Il a dit, mais c'est quoi ça? Vous voyez que nous sommes juniors. N'exagérons pas quand même. Tu veux que je fasse comment? C'est pas. Rien de dire parce que tu dois faire. Je n'ai pas regardé une femme. Je dors, je me lève. C'est normal que ce soit. C'est où j'ai dit directement quelque chose, me dit à l'intérieur. Observe-le toi également. J'ai donc pris le temps de l'observer pendant une semaine, jour pour jour. Pendant une semaine, je vois le gars. Tout est normal. Tout est. Il dit normal. Donc je te dis d'eau, il se lève. Je dis, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas là. Soit ça, ce gars, ce n'est pas normal. Mais tu sais que non, c'est un gars. Et c'est ça qui fait. Et c'est ça qui est bien. On était dans le monde ensemble. Mm-hmm. Il était dans les films. Ouais, il avait les films. Il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Donc, forcément, c'est. Il a connu également une transformation grâce à. Et on a des années vraiment très vite. Et on avait longtemps parlé de la pensée. Et c'était justement la période où on pensait. Il prêchait sur la pensée. Parce qu'on avait des séries d'enseignements. Donc quand il dit le cœur, on va enseigner sur le cœur. La pensée. La prière. Donc on était sur la pensée. Et je me dis, certainement, ça a quelque chose à voir. Tout à voir avec. Parce que j'avais un peu copié. Peut-être pas totalement comme lui. Je copiais les exemples. Je ne faisais plus les bises aux femmes. Je saluais à distance. Mais jusque-là, je n'arrivais pas à pouvoir contenir. Pour moi, je me disais que c'était une réaction tout à fait. Quand tu dors, tu es inconscient. Mm-hmm. Donc, je ne peux pas maîtriser ça. Mm-hmm. Sauf que si tu travailles ta pensée, travailler la pensée, c'est se rapporte à quoi? C'est-à-dire, même si une fille marche devant toi, tu ne donnes même pas l'occasion à tes yeux de regarder. Si tu veux l'aborder, que ce soit pour parler de quelque chose de précis, qui ne soit pas quand tu la pensée. Et la pensée a tout à voir avec le regard. Parce que quand tu regardes, c'est ça qui. Quand tu as commencé. Avec tous les sens, oui, voilà. C'est quand tu commences à refuser de regarder un certain nombre de choses. Parce que même parfois. Nous sommes en 2009-2019, après presque 11 ans. Plus, oui. Tu regardes, quand tu regardes. Quand tu regardes. Même parfois on regardait même pour rigoler. Mais quand tu regardes, même c'est pour rigoler, tu as quand même regardé. Tu vois une vie avec mini jupe. Et c'est là dans toi là. Tu vois, l'image là peut-être est restée dans ton subconscient, inconsciemment. Et c'est ça qui agit. Quand j'ai fait comme ça là, j'ai travaillé comme ça pendant pratiquement 3 semaines. À partir de la 3e semaine, je me levais normalement. Parce que j'avais dit que je veux prendre une vie. Comme je veux voir si ça marche. Est-ce que ça marche? Après, it works. Ça marche. Oui. Quand il fait comme ça pendant pratiquement 3 mois, 4 mois, après, ça, c'était. Une victoire, un soulagement. Non, non, je vais dire qu'après, j'ai relâché en fait. Je vais dire que j'ai. C'était. C'est pour ça que j'ai dit que je loue Dieu pour sa vie de sainteté. Ça a véritablement été un exemple pour moi. Parce que c'était. Tu comprends que c'était pas facile de le faire. C'est pour ça que Dieu doit. Dans un milieu pervers. Pervers. En plein milieu pervers, tout le monde, c'est la perversité. C'est la cité Sicam, non? Qui ne connaît pas la cité Sicam aujourd'hui? Donc, il y avait beaucoup de choses comme ça qu'il faisait. Quand on le voit aujourd'hui, peut-être vous qui le côtoyez beaucoup aujourd'hui, c'est comme dit ce pasteur, un combat se gagne aux entraînements.
il y a eu de longues années d'entraînement pour qu'on en arrive à ce résultat. Je ne sais pas si c'est là, il y a quand je parlais du jeûne de la parole. Il faisait le jeûne de la parole, c'est-à-dire 3 jours, 4 jours comme ça, là, sans parler, sans dire un mot à qui que ce soit. Il faisait les jeûnes. Je ne sais pas si Famosa, les jeûnes de 14 jours. Il faut le jeûne de 14 jours. Donc, aujourd'hui là, c'est. Quand il a dit de faire 3 jours, il dit que. Et comme il dit toujours, 14 jours là, c'est dans un contexte vraiment compliqué. Hein. Parce qu'il peut le faire aujourd'hui, il est dans une grande maison, il peut s'y retirer. Là-bas, c'est que. Il y a des musiques à gauche, musique à droite. La fumée de l'autre côté, les cris de l'autre côté. Donc, tout est fait pour que tu ne puisses pas mener ton jeûne. Dans les bonnes conditions, en bon terme. Mais dans toutes ces situations, le Seigneur a permis que. En temps, j'ai grandi en solitaire, il n'y a pas quelqu'un qui me surveille. Il n'y a pas quelqu'un qui rencontre, il n'y a pas quelqu'un derrière moi. Il n'y a pas de mentor, ni de leader. C'est ça le vrai problème. Ouais. Tu vois, et Dieu te pipe comme ça que tu dois être un modèle pour les autres. Pour les autres, voilà, oui. Il y en a vraiment perverti. Tu vois un peu, quelqu'un croit aujourd'hui qu'il n'est pas mort dans la forêt, il y a trop de péché ici. Donc il n'est pas mort dans la forêt. C'est vrai que quand, c'est mieux d'écouter comme ça, quand il dit souvent que, on voyait avant, il ne saluait même pas les gens, il ne gérait pas les gens, il ne riait pas. Tu vois, quand c'est encore un témoignage comme ça, ça permet de se représenter. Il ne riait pas. Même les blagues là, aujourd'hui on va rire, on rigole, non, il ne blaguait pas. Parce qu'il disait que non. En fait, ça avait aussi un but. C'était pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et on s'était rendu. Il disait que quand il dit que les gens aiment trop tout ce qui est pervers, tout ce qui est. Je vais dire ça comment là. Tout ce qui est mondain, qu'il faut absolument les ramener dans la parole. Le Seigneur est vivant. Donc c'est mon frère jumeau ici. Ah oui. Ça. Tu vois comment vous allez les rencontrer au fur et à mesure. L'autre était aussi l'autre jour. Il donnait sa part de témoignage. Il est aussi l'autre. Il dit que mince, le gars que. Et moi, t'as parlé, il t'a parlé, non. Il m'a dit qu'il était ici. Il était avec la parole. Les gens qui veulent, quand ils disent, bon, oh, il dit qu'il prend la parole. Il dit, non, j'ai un songe là comme ça. Il demande, il dit, lis tout à tes impôts, puis tu reviens. Mathieu, combien de chapitres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 8. Tu veux lire tous les 28 chapitres là? Non. Mais aujourd'hui, tu es obligé de lire parce que tu es de ces royaumes là. Personne ne te force. Le plus grave dans ce contexte, c'est qu'il n'y a personne. Regarde, je vais essayer d'imaginer. Imaginons 12 ans plus tôt. Et que nous sommes dans un environnement universitaire où il y a des jeunes. Avec ça, il y a des universités qui puissent avoir. Tu te sors de la perversité, il ne te met pas à l'extérieur de cela. Il te dérive de la perversité, il te laisse dans la perversité, dans l'environnement de la perversité. Dieu lui montre comment il peut prendre une vie, changer la vie. Même mes camarades de classe ne comprennent pas. C'est il y a cela 2 années que j'ai vu une autre. Il dit, mais pourquoi tu me fuis? Il dit, non, Chakda, c'est normal que tu sois comme ça. Du jour au lendemain, tu changes directement comme ça. C'est normal que tout le monde pense que tu étais dans la secte. Il y a beaucoup de personnes qui me suivaient parce qu'ils voulaient voir vraiment ce qui est arrivé. Oui, ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y a des bons témoignages. Il y a des bons témoignages. Je vous assure. Il y a des très bons témoignages. Même à l'école, peut-être si quand l'occasion va se prêter, on a rencontré. Parce que quand on faisait. On a fait beaucoup de croisades ensemble. Est-ce que tu sais que Thibaut était ici, là, Thibaut, mon enseignant là. Oui, Thibaut. Oui, il est venu dans sa maison, mais enfant. Il a parlé à ma femme. Ah non. Il réussit les examens sans aller à l'école. Reste à la maison. Ah. Non, il a des. Il reste à la maison, tu vas à l'école. Il n'y a pas l'argent pour payer la scolarité. Les gens viennent. De... Quand les gars rentrent de l'école, tu le laisses au cahier, non? Parce que le lendemain, tu n'iras pas faire cours avec les mêmes cahiers. Donc lui, il reste dans le lit, les cahiers là. Et le lendemain, comme ça, sans livre, sans cahier. Les vieilles passées. Les témoignages comme ça, on fait. Pardon? Les gens qui étaient. Je dis que des témoignages comme ça, c'est bien. Mm-hmm. Ça permet de. Parce que lui-même, il ne peut pas mieux raconter ça que. Oui, parce qu'il y a des gens que tu es apte, l'autre que. Mais pour d'autres personnes, tu peux encore raconter la personne qui dit que ça, c'est son témoignage. C'est pas dit. Il faut que quelqu'un d'autre parle. Mm-hmm. Il dit mon professeur était ici. Il a dit qu'il croyait que j'étais dans le monde depuis. Parce que ça n'a pas aussi parti. Parce qu'il dit chaque fois, il pensait que le gars, c'est qui était à l'UNICEF, qui m'enseignait.
Un jour, quand lui et moi, mon frère et moi, on était en concert, on a parlé avec lui comme ça, au niveau de. Tu te souviens, non? Au carrefour, là-bas, on a parlé. Que... Le brossard, c'est dont tu souffrais, c'est comme ça que tu parles. Il a coulé les larmes. Donc, tu étais ici, on nous dit, il dit, non, il ne faut pas créer ma pauvreté. Il reste comme ça, là. Il vient, il voit le proviseur, il dit au proviseur que je vais laver. Il veut laver la voiture, ta voiture partir. Tous les jours. Il veut que tu me laisses fréquenter. Tout ce qu'il avait voulu, c'est fréquenter. Il n'a pas dit à cette vidéo. C'est à cause de ça que je suis rentré à la maison. Et là, il nous a sorti. Et c'est ça que j'ai. Tu vois, il nous a sorti d'un enseignement que je donne à tout enseignant aujourd'hui. C'est-à-dire les enseignants de l'école séculaire et à tout élève. Si tu vois un élève trop délivrant, il faut absolument, plutôt que de le repousser, va plutôt, rapproche-toi de lui et discute avec lui. Il faut quand même psychologue. Il a un pourquoi qu'il agit comme ça. Soit il est frustré. Soit il est très pauvre. Donc il soit dans un environnement très pauvre. Soit. Bref, il y a un problème. Ça c'est clair. Il a un problème. Tu vois, on avait souvent connu des camarades très turbulents. D'autres qui viennent à la classe, ils ont plutôt des tacas. Tu vois, il le fait comme si c'était un effet de mode. Alors qu'il n'a pas de chaussures que c'est tacas. C'est pour ça que moi, il a enseigné, il détectait tout cela. C'est juste passé par là. Tu voulais savoir. Même si tu essaies de camoufler un peu comment. Je connais. Il est là. Tu te donnes l'impression que non. Et ça ne lui dit rien. Tout. Il vient le sac avec les sacs. Les sacs du marché. C'est comme si c'était un effet de mode, comme si. On rit, mais pourtant c'est il n'a pas de. Alors que si tu lui demandes de ne pas venir avec ça, il n'aura pas d'autre sac. Donc. Quand les gens vont venir, mais bon, je dis non, le frère Junior, après on va grâce, avant nous donne grâce, il faut que ce soit ma femme, ma fille, mon fils. C'est pour ça qu'il dit que s'il connaissait, si avant quand il connaît ma femme, si avec eux, donc il juste avec lui avant qu'il connaisse ma femme. Il dit aux gens que si les gens me connaissaient, les filles qui veulent que je les repousse, si c'est à ce moment-là, il devait dire que c'est la malchance. C'est pas vrai. Mais non, c'est très vrai. C'est pour ça qu'il faut apprécier tout. C'est une femme de foi. Grâce. Elle avait vu. Parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Rien pour que quelqu'un puisse dire une facile. Se projeter. Que le gars est sombre. Tu regardes comme ça. Il n'y a pas eu lieu d'espoir. Il n'y a pas eu lieu d'espoir. Physiquement, c'est même pas bon. Mon savon, c'était le savon sans texte. Ça te servait des savons, ça te servait d'huile. Tu vois, ça sent un peu bien. Sans texte. Tu es comme ça là. Les petits pieds comme ça, comme il est gêné chaque fois. Il joue dedans comme ça, on avait la barbe bizarre. On raconte même quoi là? Non, c'est pas ce qu'on raconte là. Et tu vois, et on était dans notre petite chambre là. Il n'y a même pas de cuir, ni de rien à l'intérieur. Elle sort du son duplex là-bas à l'octo. Elle vient là. Déjà, moi, on chadait que c'est sûr que le gars s'est attiré dans la chambre. Il y a la chambre de la pauvreté. C'est pour ça qu'elle voit les filles tournent autour de moi. Elles font comme si elles m'aiment trop là. Je dis seulement que si j'étais là en 2009, j'ai fait comme ça. Tu vois, dit que ça marche, que Seigneur, c'est pas ce que tu veux. Que Seigneur délivre moi, ce gars. Délivre ce gars. C'était celle-là. Elle rapportait. Elle dit que quand elle va à la boutique, le boutiquier la gratte. Est-ce que tu la bailles? C'est que le boutiquier, mon but. Même si le boutiquier, c'est très grave. Donc quand tu vois les gens, non, c'est clair. Quand les gens voient grâce aujourd'hui, mais voient avec grâce, chacun, les gens ne savent pas d'où c'est venu. Fini, non, man. Que grâce est venu. Que ça vient de loin. Si on avait dit que le gars, s'il aura même la moto, on commençait par où? Pourquoi? Comment ça? Il m'a fait comment pour avoir la moto? Il va. Non. Hey, c'est ça. Après, quand ils vont me dire, peut-être que c'est celui qui a mis la main, quelqu'un ne connaît pas où c'est venu. Ils ne connaissent pas que c'est beaucoup de temps dans le jeûne, dans la prière, à genoux. Ouais. Et que c'est la grâce de Dieu. Ah, ça y est. C'est moi. Donc, que Dieu soit glorifié, qu'il soit glorifié. C'est bon d'écouter ça. Il faut que chacun ait un témoignage. Et j'ai rends grâce à Dieu parce que tous ceux que j'ai côtoyés dans ce moment-là, d'une façon ou d'une autre, ils ont été impactés. Oui, tous, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre, tous ont été impactés. Pas que tu ne parles pas parce que tu as parlé, tu ne parles pas, tu ne souviens pas quelqu'un. Tu le regardes à ce moment-là. Donc, la parole de nous et nos vies doivent aller de pair. La parole et la vie pratique. Et il y a des circonstances où c'est ta vie qui prêche. Parce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, on suivait ton acte. Exactement. Si on va dire que c'est vous qui dites ça, ce gars, il était. Imagine quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être c'est en vogue. Moi, dans les années 2007, 2008, 2009. C'était pas encore en vogue comme aujourd'hui. Il était comme ça là. Au pays fait, on scrutait ses faits et gestes. Chaque mot, on passait ça au millimètre. Pour voir si la se rassurer, est-ce que ce gars, quand une fille
je me souviens, il y a Jackie, non? Hé, Junior, elle avait vu, voilà. Pour peu qu'il avait salué une femme. Hey Junior, tu salues aussi les femmes. C'est la remettre. C'est la salut, c'est la salutation, pas que c'est. Hey Junior, tu salues aussi les femmes. Donc, elle était étonnée. Elle était étonnée. Donc le jour-là, elle a vu Junior tendre la main comme ça là à une femme, lui dit bonjour. Parce qu'elle a crié au scandale. Au carrefour. C'est pas que elle n'était pas contenue. Junior, salue aussi les femmes. Donc celui qui ne connaît pas, parce que demain il va être un peu. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre là-dedans? De mauvais dans la salutation. Non. Donc, il était chaque fait, chaque geste, chaque parole est à le regarder. Tu vois? Non. Donc, bon, on sait, moi je vais vous laisser. Ok, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion. Voilà, de vraiment, c'est. On passerait la journée là. Que le Seigneur te bénisse. Amen. C'était mon témoignage. Vous voulez faire un tour avec la voiture? Non. Donc, ma femme, il voulait solennellement dire devant mon frère, qui est ton beau-frère. Oui, c'est mon beau-frère. Que. Il découvre même quoi. Il dit ça, c'est une Ok, final pour moi, final pour moi. Final pour moi. Elle m'appelle depuis mon beau-frère, mon beau-frère. Donc, je voulais te dire. Bon, attends, je viens. Laisse-le partir à la réunion. Oui, c'est un conducteur, Alors, chérie, je voulais te dire devant l'assemblée ici est réunie. Je voulais te dire, devant ces hommes-ci, oh les hommes là, les hommes, je voulais vous dire que dans les cieux, ma femme est un modèle de femme. Que dans les cieux, c'est réglé, que c'est une consanguine à Sarah, ma femme. Et je voulais dire devant son beau-frère ici présent, qu'elle n'a pas fait effectivement le mauvais choix. Pas vrai? Ma pote. Je suis là pour vous. Ma combi, ma femme de foi. Pour une femme devenir épouser quelqu'un qui n'a pas de maison, n'a pas de situation familiale, n'a pas de situation financière, n'a pas d'avenir, dont l'avenir est sombre et lugubre. Et donc présentement, il parle en termes peut-être de. Tu tournes un peu quoi, c'est autour de la parole de Dieu. Et donc, le monde et les choses du monde n'ont pas d'attrait sur lui. Il faut que ça soit la foi de Dieu pour attacher cette femme-ci. Absolument. À cet homme-là. Elle regardait à l'invisible. Oui. Même si son regard était flou, elle s'est jetée par la foi. Amen. Quand tu m'as dit à une fille aujourd'hui que je vais t'épouser, elle te guette d'abord comme ça, dit que tu peux acheter mes huiles, tu peux acheter. Il n'y a pas ces choses. Ça dit que notre relation ne se conjuguait pas autour du bien matériel, ni autour du lendemain ou quoi que ce soit. C'est pas à la foi. Et moi, je dis que le témoignage. Tu as ce que je as dit. Non, il faut appeler ton mari. Le témoignage est plus grand quand on considère que elle sortait d'une famille nantie. Parce que si on prend c'est un paradoxe, c'est un deux opposés. Si elle sort d'un environnement comme le tien, elle vient, tu vois. On peut comprendre. Mais elle sort d'un environnement où elle avait tout. Elle n'a pas de problème. Quand elle venait même, tu vois sa peau, contrastait avec nos peaux. C'est pas ça. Non, mais c'est pas aussi. Moi, elle me lave avec le savon santé. Après, je me ouvre avec ça. Attends d'abord, le papa, on a de fini. Parle. Non, il faut que vous compreniez avec qui vous avez affaire devant vous. C'est pas vrai. Non, quelqu'un peut te présenter comme le frère Junior. Tu peux aussi, parce qu'on t'a dit le frère Junior. Mais Dieu merci, aujourd'hui tu t'es trouvé ici quand il y a quelqu'un dès le départ. Tu as vu, on était ensemble quand il est venu entrer, non? Donc parle. On voit le contraste du faux là. Non, non, ce sont des femmes qui ont cru en nous. Ça, c'est même elle. C'est pas ce qu'on raconte là. Elle sort dans ce bon cadre là. Elle vient là. Elle veut nous trouver dans notre New Belle Fred. Elle te regarde. Oui. 10-20 ans. Je me rappelle la première fois que je lui ai dit que je vais là-bas la cité. Il me dit non, te lave pas ici. Ça va te contaminer. Notre douche avec tout le monde, c'est là-bas. Et tu fais l'eau, c'est la qualité que tu peux avoir. Elle peut aussi, tu fais ça, pas que tu esquives. Tu vois, là, une femme comme ça va sortir. J'avais même peur que ça s'écoule là-bas. Parce que lui, la toilette là. Donc, bon, faut qu'on se.
nous sommes des bons. Et c'est juste la corps, elle est. T'as juste pas mis c'est. Vous les lavez là-bas. Vous partez comme si. Tu te laves là-bas. Ils sont dans bon la couée. Oui, non, à côté des commissariats, non. Et Dieu a dit que non, c'est là-bas. Tu dis ok. Viens alors entre nous. Les femmes ont le cœur. C'est pour ça qu'il faut respecter les femmes qui quittent. C'est particulièrement celle de ici, là, ta femme et mon épouse. Parce que quitter dans un environnement de d'aisance pour venir dans un environnement de non-plaisance et de médisance, il va falloir vraiment avoir l'amour. Tu comprends? C'est-à-dire, normalement, on doit mettre nos jours. C'est-à-dire que gifle moi-même 5 fois. Comment tu m'as mené à la pauvreté comme ça? Mais Dieu est Dieu. Comme c'est l'amour venant naturellement du Seigneur, ça fait de temps que cet amour se rend aveugle au point où la personne ne voit pas la pauvreté présente. Tu vois, parce que l'environnement présent. Parce qu'en réalité, c'est sur quoi les couples de maintenant sont basés. C'est que si tu es marié, tu vas apporter quoi, l'autre va apporter quoi. Et c'est ça que ça crée les antagonismes dans le couple. Lorsqu'on est ensemble, je ne suis pas en train de penser que demain, il va faire tel jour. Imagine moi, je m'engage à prendre une femme, je n'ai pas d'endroit où j'habite. Elle vient comme ça, là où dans le cadre on est raconté, elle vient comme ça chaque jour que Dieu a créé. Elle quitte chez elle pour venir là-bas chaque jour. Deux taxis pour venir chaque fois pour venir. Taxi, aller autour. Est-ce que tu comprends? Et tu vois, c'est ce qu'il dit, on est pour venir voir son mari à côté de moi. Entre temps, je ne sais pas. Quand elle vient comme ça, chacun se range. On sait que de l'attitude, elle est venue, chacun rentre. Entre temps, ceux qui dorment avec lui, chacun va sortir de la chambre. Donc, chacun sort de la chambre. La cité, là, chacun. Quand tu sortais d'une porte, tu pars dans une porte, tu peux dormir là-bas. C'est que chaque porte, on n'entrait pas tout. C'était très bien dans cet environnement-là. Tu vois ça? Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Prends son vieil qui, mon frère. Donc merci d'avoir tenu ferme. Merci d'avoir tenu ferme pour mon frère d'abord. Merci d'avoir tenu ferme. En dedans, les tantampions viennent là-bas derrière corps de ceux et le titulaire. Je l'ai déjà dépioché à côté. Tu vois cela? Et c'est là où tu dis que ouais, mais c'est le frère là, il y a occupé. Non, le vieux, il est trop puissant. C'est pas là. Il fait comme s'il ne voit pas. Il dit que la fille a des drags. Elle fait les yeux comme ça. Il dit que non. Il fait comme si. Tu vois, quand tu rentres par derrière, tu vois qu'en réalité, tu ne te protèges pas toi, par toi-même. C'est là où tu comprends que derrière tout cela, il y a la grâce de Dieu. Tu vois cela. Donc, tu ne te protèges pas. En rentrant en arrière, en faisant un retour, tu vois que c'est Dieu qui protège. Que même les décisions que tu prends, c'est sur l'impulsion indirecte même du Seigneur. Ou que tu ne vois pas le nom de Dieu. Parce que. Qu'est-ce qui a expliqué que dans cet environnement là-bas, Dieu puisse me sauver? Dans cet environnement. Quand on était à la maison, on dit que c'est à l'université que je suis entré dans la secte. En étant à l'université, on dit que c'est à la maison que je suis entré dans la secte. Donc, personne ne savait exactement ce qui est arrivé. Mais je sais que quand Dieu veut te façonner, il t'aveugle. J'étais un an. Avec ses parents ici là. Mes parents étaient à toi là. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas visité mes parents. Je manquais souvent 100 francs. Mes parents travaillent, les deux travaillent. Je n'ai jamais, en fait, j'ai vécu. Je l'avais contaminé avec ma pauvreté. Il faut se dire, ça c'est la vérité. Moi, quand même que c'est. Et c'est le Seigneur qui a fait cela. Moi, je n'ai pas vécu pauvre. Mais le gars m'a dit que. Donc, il a vraiment entraîné. Mais. Tout comme ça, avec chez vous, moi, monsieur, la seule, il a dit qu'il n'est pas bien. C'était nécessaire. J'ai coupé les liens avec les parents. Dieu a coupé comme ça. 100 francs me manquaient. Je finis aujourd'hui 3 jours, je n'arrive pas à manger. Tu vois, moi, je suis habitué dans ces manques. On me bat tous les jours. Et soyez motivé, je dis que, mais Seigneur, non, ça c'est pas juste ça. C'était normal pour la formation. Après, quand Dieu t'ouvre les yeux, je dis que, mais il fallait passer toutes ces. Pas que ses parents ne sont pas là, c'est dans la ville. Dans la ville, à un taxi. Deux taxis. Tu vois, donc pendant un an, Dieu a bloqué qu'ils ne soient pas avec les parents pour vivre la même vie que son de vivre. Mm-hmm. Donc, il peut ressentir, il peut savoir de quoi il est question. Quelqu'un dit que non, je n'ai pas 100 francs. Tu peux comprendre de quoi il est question. Non, attends, on fait le tu vois, or, s'il pouvait faire un déclic par chez les parents, moi, je n'ai personne avec qui aller. Et c'est ça. Je n'avais personne avec qui aller. Je me suis dit, comme j'ai pris ta vie, on te l'a scandalisé. On a une personne ici. Alors qu'il n'y a personne. Mais le Seigneur était notre plus fort. Tu comprends, Franklin? Donc, Dieu est Dieu. Oui, le gars, ça avait un impact sur les gens. Il te contamine. Vous montez, vous descendez, on va à gauche, on va à droite. Ça peut contraster avec celle de Christ. Mais c'est faux.
Quand tu vois quelqu'un qui soit d'une bonne famille, tu vois la peau, tu comprends que ce n'est pas la peau des souffreteurs. Ce n'est pas faux. Quand quelqu'un passe à côté de toi, tu sens le son, le parfum. Tu comprends que le parfum, si ce n'est pas la qualité qu'on fait au Carrefour là. Et quand tu dis qu'elle veut manger, c'est tous les trucs compliqués dans la cuisine. Quand tu sors le nom, c'est là que tu vas comprendre le site. Quand tu sors un nom de repas, c'est là où tu comprends que le type de repas existe. Alors que tes repas sont limités à pain de 100 francs, beurre de 25. Quel beurre de 25? Banane. C'est pas la banane. Je pèse non. Avec spaghetti. Avec une petite tasse. On mange comme matin et soir. On n'a pas de problème. Quand on finit de manger, on passe au mur là-bas, en parlant. On marche partout. Mais Dieu est Dieu. Donc je rends grâce à Dieu pour ce moment-ci que nous avons passé ensemble dans la vie. Mais je rends grâce à Dieu pour ma femme particulièrement. Parce que quand je regarde un regard, il dit. Si cette femme n'avait pas été à côté de moi, peut-être longtemps elle serait morte. Ou bien je ne serais même pas hors de ce pays. Mais c'est la personne idéale. Tu comprends que c'est ma côte. Mais il faut avoir la femme de la destinée. Mm-hmm. Tu comprends? Il faut avoir la femme de la destinée. Une femme avec qui vous en phase. Et qui elle non. Mm-hmm. Dans la vie là. Mm-hmm. Le matin. C'est fort. Vous êtes à l'aise. C'est comme elle sourit. Le matin, on continue notre. On peut avoir des moments de discord, des moments d'unité. Mais ça n'a jamais. Il y a un type de cercle dans le cercle consacré qui est dans le monde. Moi, ça ne va jamais. Comme tu as dit là, je ne suis pas né, je ne suis pas amené avec. Je ne suis pas déjà d'enfant. Donc le parent a dégagé un terrain. Mais j'ai dit que c'est pourquoi je vais m'attacher avec tout ce que j'ai. Si je peux me délecter de tout ça, qui soit heureux. Ça, c'est mon frère. C'est le renoncement. Elle mérite tout ce qu'il y a de bien. Donc, tu dis que ta femme, ma femme, c'est la soeur de Sarah. Elle est la petite soeur de Sarah aussi. Oui, Tu sais, la génération, si notre génération est en perte de vitesse par rapport au modèle. La génération aussi a besoin de modèles, c'est-à-dire que quelqu'un qui est calqué. Et les stars, justement, Satan ayant compris cela, produit donc des stars dans le monde pour produire des modèles. Tu vois, quand tu vois un moment donné, les enfants marchent avec le jean déchiré, parce qu'il y a un modèle qui leur a présenté cela. D'autres, tu vois que c'est. Il fut un moment où c'était les tatouages qui étaient à mort. C'est comme si les tatouages. D'autres, c'est tête de mort, où beaucoup de personnes portent des bagues avec les têtes de mort à cause d'un vu celui qui est décédé là, avec ça. Ce sont des modèles qu'on présente. Nous, les chrétiens, devons être donc des modèles. Pour que quand quelqu'un voit ton couple, la façon que vous vivez, ils ont décidé de se marier. Il y a d'autres qui font aucune possibilité. Quelqu'un dit que non. Quand il voit le pasteur, il ne veut même pas me marier. Oui. Tu vois quel impact on a sur les vies. Impact, oui. Donc, c'est clair. Il faut que nous soyons des modèles. Non, c'est clair. Elle a même son. Regarde, c'est pour rendre témoignage. Elle a son bon voyant. Dans un couple qui est venu, c'est pas un couple, c'est un frère qui est venu chez nous. Pasteur. Il est pasteur, je dis qu'il n'est pas pasteur. Il est venu à la maison pour passer une semaine, 10 jours plus exactement, un maximum. Et pendant les 10 jours, en fait, on était normal, un peu comme tu viens là. Naturellement. On a vécu une autre vie, non? Quand il n'est pas partant, I want to make a testimony. C'est assis comme ça avec nous. Il te parle de toi. Attends, tu vois, tu vois ça à quel moment? Tu as cuisiné. Bref, après on se regarde. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait que c'était que si c'était n'importe qui, on aurait fait exactement et directement. Il a dit que je vous adopte. Oui. Comme parrain. Comme parrain de moi. Il s'est fiancé. Chaque étape de ses fiançailles. Il nous mettait au point. Au gros point, moi, ça m'énerve. Je suis qui là dedans. Je suis qui. Vite à vie, mon Dieu. Il me prend comme le parrain du mariage. Je dis que ça, c'est un coquet. C'est quelle responsabilité? C'est que. Dis-moi, point pas. Donc, tu vois que les gens nous suivaient. Les gens nous suivaient. Les gens nous suivaient. Il a couché sa deuxième fille là. C'est. Le prénom de ta femme. Aïe. Applaudissons pour le Seigneur. Il a dit que non, et vous méritez. Jusqu'à aujourd'hui, j'avoue que je suis. Non. Je ne sais pas quel impact. Et c'est pour te rejoindre. Je dis que il y a des petits témoignages. Quelqu'un peut avoir été dégoûté, par exemple, du mariage. À cause de quelqu'un qui l'a observé. À cause de quelqu'un qui. Mais juste parce que toi, tu as posé des actes. Des actes. Ou bien tu as tenu des propos, surtout des actes. Tu as tenu des actes qui vont
le gars dit que tu l'as renommé pour. Il a dit que non. Pour ton cas, je prends ton cas également pour dire quelque chose. Tu remarques que vous avez vécu naturellement. Il a observé. Et c'est ça l'impact quand c'est naturel. C'est-à-dire que quand c'est normal. Sans effort. Quand tu caches. Voilà, c'est, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens que, quand ils reçoivent les gens à la maison, ils se comportent d'une certaine façon. Mais pourtant, quand il n'y a pas de personne, si le chat est là et la souris, ça ne peut pas avoir d'impact. Si quelqu'un a besoin d'une guérison du cœur et qu'il vit dans cet environnement-ci, ce qui va se passer, c'est que. Il doit avoir des questionnements à l'intérieur que non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose de faux. Parce que c'est la vérité qui est affranchie. Quand vous vivez dans la vérité, l'esprit de vérité rend témoignage dans le cœur de l'autre. C'est pour ça que tu vois, tu vas même voir que ce sur quoi que cela a ancré ou n'a pas fait quelque chose de grand chose même. Oui, voilà, jusqu'aujourd'hui. Jusqu'au jour, tu vois, il ne sait pas ce qu'on a fait. Mais qu'est-ce qu'on a fait que le salut marque? On n'a rien fait de. Quand il vient à la maison, on le reçoit normalement. Comme tout le monde. Comme tout le monde. En fait, moi, vous pensez que c'est comme tout le monde. Comme tout le monde. Il a dit que si je suis n'importe où, quelqu'un me venait à la maison, oui, je n'ai aucune allée. Oui. Parce que c'est que vous serez. De la meilleure des façons. Amen. Tu vois, je n'ai pas besoin d'être présent pour qu'elle fasse quelque chose. Justement. Tu vois, un peu comme quand Grâce, si je suis ici 10 fois, Grâce m'a reçu, tu vois un peu. Exactement. Et c'est toujours comme ça. C'est pas comme si. Comme c'est si... Elle n'aura pas besoin de, que tu sois présent. Que je sois présent ou pas. Elle va le faire naturellement et bienement. Donc c'est exactement la même chose. Donc ce qui fait que ce sont des choses qu'on fait naturellement. Et le gars, lui, il a pris ça en même temps. Jusqu'aujourd'hui. C'est récemment, c'est Ah, il dit que bon, maintenant tu nous oublies à venir à Yaoundé pour voir le. Bon, après on lui a dit ok, donc l'enfant là, alors nous on a pris ça, comme Dieu nous a donné, on a pris, alors je suis là pour vous. Donc continuons seulement à transformer des vies comme ça. Quand je mets dans un environnement, de toute façon, même pas, même sans le discernement de l'esprit, que la grâce que Dieu m'a donné pour savoir qu'il y a un tel pour un tel niveau. Quand je suis dans un environnement où les gens sont en train de faire le. Vous appelez fake. Quand c'est semblant, je sais. Il dit sans toucher avec le discernement de l'esprit pour dire. Seigneur, quel problème ici? Et puis pour savoir, tu caches, je veux savoir. Parce qu'il est grandi dans les environnements où il y a des problèmes. Donc, même sans sentir par l'esprit, tu peux savoir que tes personnes, ce que l'on a fait là-bas, c'est le folklore. Et il faut qu'on soit, on fasse tout pour, en tant que chrétien pour être vrai. Amen. Amen. Que Dieu continue de vous bénir. Amen. Continue de vous bénir. Ouais. Merci d'être venu, merci pour ce bon moment. Il faut qu'elle ait tous les clients ici. C'était vraiment improvisé. C'est bon. Sinon, ce soir, les vies, tu vois que c'est bien maintenant. Vous avez touché des vies. Par exemple, celui-là a décidé dans sa vie maintenant qu'il va bien se marier, qu'il va bien se comporter avec sa femme. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit dans son cœur. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, vu. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure là. C'est ça. Mais c'est ça ou c'est pas ça? Même le esconcé au Cassa du Bagnac là. J'ai dit à la dernière là, que bon, Josué, qui t'a dérangé? Elle dit que c'est Josué. Je dis que, ok, on va lui faire quoi? On va les circoncire. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne sait pas. Pourquoi? Cassa de manière pour lui, il parle à toi. Ouais, le gars là, tu l'as laissé. Pardon, on est dans le bon chose. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme tu parles directement, non? Donc, fais-tu une du coup, tu nous l'accompagnes. Toi, tu restes ici. Donc voici mon frère. D'accord. C'est mon frère ici. Il est mon frère plus que mon frère de sang. Comme il y a qui on m'a dit. Il y avait des sacs, il avait son frère comme ça. Je suis resté comme ça. Oui, mon grand frère. Il n'y a pas babé. Avant, il ne baladait pas. Mon grand frère qui est devant moi, quand il est vu, il lui dit que suis attentivement. Celui-ci est plus mon frère que toi. Oui, il a dit ça. Tu sais que j'ai oublié mon sang. J'avais complètement oublié. Tu n'as pas été frustré. Mais tu sais, qu'ils sont frustrés, c'est la vérité. Qu'ils sont frustrés, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est pas la vérité. C'est ça ou c'est pas ça? Surtout que j'étais à côté, donc ça fait un peu bizarre. C'est mon frère plus que toi. Voilà, il a dit, voici mon frère, c'est aussi mon frère. Même si c'est qui est, si tu oublies, quand il parle de la vérité, il m'en foutait, si ça entre ou ça n'entre pas. L'autre gens disait que non, quand tu prends la présentation, ça va faire du mal aux gens, les gens ne voient pas quoi, c'est son problème. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? C'est la vérité, c'est qu'il a compris. Et puis c'est tout. Okay. Et vous passez comment devant les. Ils ont laissé le sac. Toi aussi. Moi, j'ai... C'est que Lydia suit. Il a dessus comme si c'était à la cité. Il a dessus déjà. On va. Attends, tu peux. On reste là, on les accompagne là-bas. Non. Ok. Que le Seigneur soit glorifié. Amen.